Salut up l'Internet, j'espère que vous allez bien surtout aujourd'hui en compagnie de mon ami Jubilee. Comment vas-tu Jubilee Bien, et toi. Ça va très bien, merci. Aujourd'hui les amis en compagnie de Jubilee pour une nouvelle série sur ma chaîne YouTube en rapport toujours avec Affections, donc la présentation de base sur le serveur. Donc c'est très simple les amis. La première épisode ça va être euh, super super simple. On va, on va choisir des joueurs qui sont connectés en ce moment et on va présenter leur base pour un peu vous expliquer le concept. Mais juste avant ça, juste vous dire que je suis en live aujourd'hui les amis à partir de 11h heure québécoise et... Euh, plus 6, donc ça doit être 17h, je pense, en France. À 17h jusqu'à euh, 20h environ, on va faire un stream sur ma chaîne Twitch. Donc vous pouvez aller dans le lien dans la description, lancer la page, juste que le, lien va le live va commencer, vous allez pouvoir être euh, alerté. Donc voilà, ça peut être intéressant. Donc, en espérant que vous soyez là. N'oubliez pas qu'on va faire un give all. Donc, euh, un give all, qu que, quand je parle de give les amis, c'est pas genre give du stuff, etc. C'est juste qu'à 100 viewers sur mon live, donc 100. 200, 300, etc. On donne une clé à tout le monde et puis si jamais, je sais pas, on est 300 sur le serveur, 200 sur le serveur ou s'il y a quelque chose de, de spécial qui se passe, qu'est-ce qu'on fait C'est qu'on donne euh, d'autres clés au hasard. Donc c'est si vous voulez avoir des clés gratuites, bien entendu, c'est le bon moment. Donc on commence exactement avec la série. Donc normalement, les amis, pour participer à cette série, si vous vous êtes sur le serveur, vous avez une base magnifique, les amis. C'est très simple. Vous avez juste à mettre un commentaire avec votre pseudo, le nom de votre faction. Le nom de votre homme ou ce qu'on doit visiter. Donc, qu'est-ce qui va arriver C'est que chaque épisode, ça va être moi et Jubilee, tout le temps. Ça va être un duo série avec Jobili. Tout le temps, moi et Jobili, on va juger euh, vos bases. Donc, moi, je vais donner par exemple une note sur 10. Et Jobili va donner aussi une note sur 10. Ainsi de suite. Pour la première, euh, la première épisode, on, va pas, on, peut, on peut noter. Mais on ne euh, va pas prendre des gens dans les commentaires vu qu'on n'a pas fait de vidéo encore où ce qu'on pourrait choisir. Donc, so, en ce moment, si vous avez une vraiment belle base et des, des belles femmes, vous mettez votre nom de faction, votre pseudo, le nom de votre home. Vous, euh, vous nous dites genre, euh, oh s'il te plaît, viens visiter ou quoi que ce soit comme ça. Puis moi et Jubilee, on va checker les commentaires. Puis on va prendre les plus beaux. Elles, puis on va les présenter chaque euh, fois en vidéo. Donc trois bases par vidéo, euh, comme d'habitude. Donc on va commencer aujourd'hui la première base avec la base de Hugo Vax. Donc il Hugo Vax qui est un grand donateur pour le savoir. Il a genre donné auprès de euh, 75 à 80 euros. Il a aussi acheté beaucoup en skin CSO C'est pour ça que je me souviens de son nom. Donc qu'est-ce qu'on a ici, mon ami Jubilee On peut voir qu'on a une... Ça c'est des machines automatiques, non, si je me trompe pas Euh ouais, c'est comme ça de Eodam. Ouais, ça c'est des machines automatiques à la Blackbird et Eodam, la, la Revenge, il y avait une grosse base avec comme ça donc des belles grosses machines. Eux, ils en ont fait seulement deux, donc j'ai l'impression que c'est une à melon puis une à, à citrouille j'ai l'impression qu'il y en a une qui marche pas. Euh Ouais. Les pistons, sont comme toujours. Euh... Ouais, ils sont tout le temps rétractés, ils peuvent pas pousser. Faudrait qu'ils répèrent leurs petits problèmes. Ensuite, ici, on peut voir que la récolte. Euh, pas la récolte, la récolte se fait en bas ici. Donc, euh, dans les coffres en Mais je pense que, ouais, comme je vous dis, regarde, celle-là n'est pas activée ici, j'ai l'impression. Mais c'est un peu chelou. Ensuite, on a quoi ici On a une machine qui essaie. De... Ils sont en train d'en refaire une en fait. Ils commencent par les poteaux de redstone, comme on peut témoigner. Ici, ils ont un lance champ. Ici, ils ont un champ de virus euh, semi-automatique. Euh, à 1, 2, 3 étages. Donc, euh, stylé, stylé. En fait, c'est de l'eau qui se renverse puis qui pète tout. Puis ils s'en vont toutes ici dans le coffre en bas là. Pas mal, pas mal, stylé. Ensuite, qu'est-ce qu'on a On va vite fait euh, prendre une boussole pour pouvoir se téléporter à l'intérieur de la base. Donc, on a l'air d'avoir une base. Euh... Oh, on a oh, des coffres ici. Fondant. On a des coffres ici. Mais on a l'air d'avoir une base euh, full protégée. Donc, qu'est-ce que ça donne en dessous euh, Full haut. Les coins c'est rempli d'eau. Un peu dangereux quand même les, points, les coins. Ils devraient peut-être remplir les coins. Euh, faudra qu'ils voient eux-mêmes. Mais bon, moi je pense que c'est une meilleure solution de remplir les, les coins. Ensuite, on a une base avec des coffres juste avec de l'eau. Donc, ils ont genre un home sûrement ici. Fait qu'eux autres ils meurent pas. Genre, ils, ils prennent de l'eau comme ça. C'est très très bien fait, franchement. Ils peuvent bien classer leur P4, etc. sans mourir. Ensuite, on monte d'un étage. On a, euh, En fait, on peut sûrement se promener dans la base. Ouais, ok, bon, on va commencer. Ça, c'était juste la, la, la salle des coffres vraiment bien protégée, j'ai l'impression. là, on va descendre. là. Donc, en gros, encore des coffres avec de l'eau, avec un peu de canne Qui La canne vous fait descendre jusque dans les coffres. Genre, c'est un peu caché. Bon, si c'était censé être caché, on vient de le, de le dévoiler à tout le monde. Mais bon. Ensuite, la tête d'Icons qui a été donné dans un give-all de la semaine passée. Donc, voilà, peut-être que ça va avec la tête de Jubeli cette, cette, cette semaine. Qui sait Ensuite, on a euh, deux spawners. Attends, je pense qu'il y en a deux. Il y a un spawner, il y en avait deux, mais il y en a l'air d'en avoir pété un. Il n'a pas terminé de mettre l'obsidienne ici, notre ami Hugo. Je pense que dans sa BP, il doit être avec. Euh, on va faire un petit F-show. F. Euh, F-Hugo F Vax. Je pense qu'ils sont. Ouais, il est avec Bob et euh, tout, ils sont dans la ornée. Ils sont 15, c'est une grosse faction sur le serveur, les amis. Ils jouent énormément, ils sont super actifs. Donc, ouais, il ne doit pas être tout seul dans cette onde-ci. Donc, ils ont dû euh, retirer quelques spawners. Ensuite, on va euh, monter en haut encore on a juste un spawner et en haut on a rien d'autre. Donc voilà, c'est ça pour notre première base donc une belle ferme avec une bonne base protégée et euh, quelques spawners, on se retrouve tout de suite pour la deuxième base. What's up les gars, on se reprend donc on a trouvé une petite bébé en fait, c'est Jebily qui l'a trouvé. C'est vraiment une petite bébé mais on voulait quand même la mettre dans cette vidéo là parce qu'on trouvait que la décoration c'était vraiment original, il y a personne vraiment qui fait ça. Fait que voilà en gros, c'est ça sa bébé. En fait, comment ça fonctionne, c'est que ici, Jubilee, tu peux ouvrir les fence gates, moi je suis en slash mode, En gros, tu as le spawner comme ça, tu farms. Puis t'as toutes tes coffres sur les côtés, etc. Puis en plus, c'est fait avec des, euh, des euh, Shields Lid Stone Brick. Enfin, les, les genres de yeux en stone brick, Vraiment stylé. Puis j'aime bien le design. Donc voilà, c'est pas une grosse base de la mort qui tue. Mais quand même. Et je pense qu'ils ont un. Ouais, le spawner ici. Et c'est en plein milieu d'un océan. Donc euh, bien protégé quand même. Euh, y a rien à passer pour aller en dessous. Oh, voilà. Donc, ensuite, il y a peut-être d'autres choses en dessous. Non, c'est vraiment juste ça. Euh, je peux même peut-être extraire. Ouais, c'est juste garder. En fait, comment il a, fait, il a fonctionné C'est que toutes les lampes, ils ont mis euh, de la raison autour, etc. Je trouve que c'est bien fait quand même. Franchement, euh, vraiment bien fait. Je sais pas pourquoi il a mis une citrouille là. Euh, ici. Mais bon, on va lui laisser euh, le bénéfice <laughs> du doute, <laughs> que c'est normal. On se retrouve pour la dernière euh, base de cette vidéo, à tout de suite. Euh, ok les gars, en fait c'était pas prévu mais je pense qu'on vient de trouver l'autre base. Attends, y'a un gars qui cheat. Vous avez un Oui, found... je iPhone. Le c ça, hein Non, found... Oh, RIP. Bon, tant euh, ouais, je me suis TP à euh, le tourment, je fond les, les, les bases, etc. Je me suis TP à euh, Saril qui est AFK, bien sûr. Les AFK, c'est autorisé la nuit, mais pas le jour. Euh, on a changé la petite règle, parce que le jour, si vous AFK le jour, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui jouent le jour. Ça ruine un peu l'expérience, ça vole des slots aussi à certains joueurs qui voudraient jouer, etc. Donc voilà. L la nuit, maintenant, les AFK sont autorisés, mais pas le jour. Donc 1, 2, 3, 4... 4 spawners Iron Golem euh, qui descendent jusqu'ici. Donc, ils descendent dans les Hoopers. Qui les Hoopers descendent jusqu'ici. On peut voir qu'ils ont une. In... Oh, 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 je me suis perdu. Oh, je me suis perdu. On peut voir qu'ils ont une énorme place pour les récolter. Oh mon dieu, le gros. J'ai vraiment trouvé une bonne base. Je rigole même pas, le gros. Faut que tu tp à moi. Ils ont aussi des machines en plus de toute leur loot de. de shit. Ah, mais ça, c'est juste. C'est en haut. C'est vers le bas, en fait, la base. What the fuck. Moi, je suis en haut de la base en ce moment. Puis check. Ils ont toutes ça de storage de. Iron Golem, viens juste voir comment c'est épique, Léo. What the fuck? T'as vu? Est-ce que c'est full okay. plein? Euh, y a des coffres ici, ouais plein. Holy fuck! Puis ils pourraient même rajouter une ligne là. Holy shit, man! Ils n'exploitent le pas que autres, c'est bien décoré en plus. Regardez, ils ont peut-être juste pas terminé leur toit ici, comme on peut témoigner. Euh... Oh non, y a un autre salon aussi en haut. C'est quoi? Ah, oh, c'est les spawners. Puis en haut, y a quoi? Y'a rien. En haut, y'a quoi Y'a rien. Ça a l'air d'être des couches. Oh, ils ont deux pigments aussi. Oh my god. Deux pigments. En haut, il y a quoi Des machines à potions. Les gars, on a vraiment trouvé une grosse base en fait ici. Puis ici, on a quoi d'autre On a des ben, les machines dans le fond que je vous avais montré avant. Oh my god, what the fuck. On va commencer du haut d'abord Ouais, le haut de la base, c'est ça. Ensuite, on tombe ici, c'est des machines automati automatiques remplies avec de l'eau pour pas se faire péter à citrouille. Donc. Oh mon dieu les amis, ça c'est une très bonne machine. Euh, très très bonne machine. Ils vont en faire sûrement trois autres ici comme on peut témoigner. Ensuite, ils ont la cloque ici pour les, les péter au bon moment. Ils prennent sûrement l'échelle pour descendre ici. Ils ont euh, un anti-FK pour les pigments qui sont juste au-dessus qu'on va voir euh, juste après. Ils ont les machines à potions qui font énormément de potions. Donc ici, si on peut voir, ils, ils classent leur... Euh, leurs items ici pour l'instant, ce qu'on peut sûrement comprendre. Ici, ça ce, c'est les, toutes les, les citrouilles qui descendent dans ces coffres là, bien protégés parce qu'ils ne veulent pas se faire piller leurs coffres à citrouilles. Est-ce qu'ils sont toutes pleins, euh, le gros Euh, lui il est plein. Euh, lui. Il est pas plein. Parce que ouais, ils ont beaucoup d'items. Beaucoup Ensuite, on descend ici, on a la farm à pic Zombie. Donc, comment ça fonctionne C'est qu'ils ont seulement deux spawners, ils vont sûrement en rajouter plusieurs après. Euh, on va essayer de voir comment ça fonctionne pour leur Pig Zombie. J'ai pas vraiment été voir. Euh, Anti-FK by euh, SMK donc en fait, ouais c'est une genre de... Oh oui Ça je connais ce genre d'AFK là En gros c'est genre ça tourne autour comme ça, regardez On va faire le tour, comme ça vous tournez au autour comme ça Mais je vois pas la place pour péter les... Euh, en fait les, les trucs J'arrive pas à comprendre... Euh, oh oui c'est ici items. Attends j'ai trouvé je pense Ah ouais j'ai trouvé, c'est en plein milieu ici en fait Genre check, ils ont énormément de picks zombies Holy fuck, ça va laguer de malade euh, J'allais faire F3 pour voir les, mes FPS <laughs> Oh, ils ont mis ta jolie fleur Ta jolie bille de fleur, je suis sûr que c'est elle oh là là Sinon, là. ils l'auraient pas mis là Elle <laughs> like, était en vente à 10 000$ dans le market Il y a quand même quelqu'un qui l'a acheté là. Juste Del Z, ça so. Ensuite, les 4 euh, Golem. On continue à descendre. Et là, ici, ben, c'est la place où -ce ils récoltent ça. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a en bas Ça m'intrigue. Euh, ensuite, bon, ils ont fait une couche anti-use bug. Est-ce qu'on peut le témoigner Et encore des machines tabarnak. Franchement, là, c'est quelle faction, ça Alors, je peux pas faire F-Map. F-Map. Puis dis-moi, c'est quelle faction je vais faire F-Show. Florida Jubilee, encore. Il y en a une autre. Et là? La... Made in China V2. F-Show euh, Made in. Euh... Ah Non, peut-être pas. Attends, what? Ils ont claim. T'es sûr? Made in China. Made in China. Qu en fait, il y a deux claims à côté. Ouais, ouais, ils ont sûrement relié les, les claims. Genre pour, pour bien protéger leur base. Ouais, c'est pas, pas con vu qu'ils peuvent avoir seulement une limite de, euh, de 20 claims, je pense, ou 16, je sais plus. Je sais plus c'est quoi le claim. Euh, ensuite, what? Ils sont juste 10 ici. hein? Euh, 11. C'est Magic Basket, euh, Spacey. Oh, plein de gens qu'on connaît. Icraz, Culo. Hi oui. Y'avait pas Pinky kiwi qui était avec eux? Euh non elle est rendu avec la vavagin Oh ouais Étonnant étonnant En plus elle est mode dans la vavagin Étonnant étonnant Donc voilà c'est tout pour aujourd'hui les amis J'espère que la vidéo vous a fait plaisir N'oubliez pas de laisser dans les commentaires Dans le fond vos bases à présenter Et puis je vous dis à très bientôt C'était Iconz PEACE En fait J'ai oublié j'allais oublié. Qu'est-ce que tu veux dire comme mot de la fin? Yeah